à lire. On les applaudit bien fort. Je veux dire tout mon plaisir d'être devant vous ce soir pour présenter l'édition 2015 des Lauriers du Sport. Avant que cette soirée ne débute, permettez-moi de saluer les élus, les représentants de la gendarmerie que je crois voir arriver, les responsables des établissements scolaires et monsieur le responsable des offices des sports départementaux, monsieur Benet. Merci d'excuser monsieur le maire qui arrivera un peu plus tard dans la soirée. Et sans plus attendre, je demande à Roger Monmaire de me rejoindre. Bonsoir à tous, merci de votre nerveuse présence. On va donc démarrer cette manifestation bien agréable, les Lauriers du Sport. Donc, bon, comme d'habitude, je voudrais bien que le bureau de l'OMS me rejoigne. Voilà, donc nous allons démarrer cette séance. Moi, je ne serai pas très lent parce que, en fait, l'Office municipal des sports, dont vous connaissez bien maintenant son fonctionnement, et donc toutes les activités qu'il fait en liaison avec la ville. Et donc il faut rappeler que cette manifestation, c'est en partenariat ville et donc Office municipal des sports de Châtillon. C'est donc réalisé conjointement. L'Office municipal des sports, c'est quand même quelque chose qui regroupe 31 sociétés, 31 associations sur Châtillon. C'est quelque chose qui représente comme un petit peu plus de 2500 licenciés. On va être 2523. On était autour de 2300 l'année dernière, vous voyez, donc ça représente beaucoup de monde. Alors bien sûr, pour une ville de 6000 habitants, 12 ne sont pas issus de la ville, mais disons qu'en gros, il y a 50% ville et 50% des pratiquants et des dirigeants qui sont donc dans les territoires autour, hein, dans le Grand Châtillonnais, voire même un petit peu de l'Auxois ou des voisins de l'eau. Donc ça représente beaucoup de monde et donc on en est très fiers. Voilà, donc ça c'était important. Pour ce qui est donc des récompenses, hein, puisque là c'est un petit peu le bilan, c'est un petit peu l'image de l'année 2015, c'est la récompense de ceux qui sont les plus méritants, qui ont fait des podiums, qui ont fait des bonnes places. Et vous allez voir, ça va vous paraître beaucoup de monde, mais en fait, vu les 2500 licenciés qu'il y a, ça va représenter un peu moins de 7% de l'ensemble. Hein, donc, il ne faudra pas vous lasser, mais on va être assez rapide, vous verrez, ça se passera bien. Mais il y a à peine 7% de l'ensemble des licenciés qui seront appelés au podium. Mais ce qu'il faut, c'est penser également à tous ceux, donc aux plus de 90% qui ne seront pas honorés ce soir, mais qui contribuent quand même à l'épanouissement du sport à Châtillon et dans le Châtillonnais. C'est grâce à eux, qu'on rend à tout le monde, hein, que donc, le sport donc, tient une grande place dans la cité. Alors, merci bien sûr à vous tous d'être présents. Hein, donc, il y a les sportifs, il y a les parents de sportifs, il y a les présidents de clubs, il y a les dirigeants, il y a les entraîneurs, enfin donc beaucoup de sympathisants. Hein, donc au quotidien, permettez donc le développement du sport dans le secteur, parce que donc il y a des tout petits des fois, donc il faut que les parents y suivent. Donc ça c'est important. Et donc c'est comme ça que ça peut les faire épanouir. Voilà, donc je ne vais pas être trop lent, mais par contre, bon, j'ai envie de vous présenter à la fin, mais j'ai peur que vous ne m'écoutiez plus à la fin, vous allez être un petit peu vacciné. Alors je voudrais vous rappeler quand même que l'année 2016 donc, qui vient de démarrer, et va donc se profiler des épreuves très importantes. Hein, donc de mémoire, il y en a une toute proche, donc c'est le 31 janvier, ça va être le cross. Le championnat de Bourgogne de cross-country, donc qui est organisé par les CRAC. Donc je pense que ça va être nous les toutes premières fois à Châtillon. Après, donc, nous allons avoir une course cycliste très importante. C'est l'ancien 3 Dijon, qui s'appelle maintenant Châtillon-Dijon. C'est une course FFC, donc catégorie élite, c'est tout de suite en dessous des professionnels. Donc c'est très important. Donc parrainé par la ville et le club châtillonnais. Nous aurons comme autre chose, il y aura donc début mai, alors là donc, j'y ai pas forcément dans l'ordre, hein, mais début mai, donc il y aura une manifestation très très importante organisée par donc, le lycée Désiré Misard et donc avec le maître de Franck Cratan qui est ici présent, là au bout de la rangée. C'est le championnat de France, donc université donc, scolaire, à UNSS. C'est donc très important, le championnat de France qui représentera environ 400 participants de lycéens plus les accompagnants. Donc il y aura donc le multisport, donc
avec des parcours, un parcours de 140 km, Franck m'a dit, donc vous voyez, donc c'est pas quelque chose de simple, et ça se déroulera donc sur l'ensemble du château. Donc ça c'est important et également. Donc comme autre manifestation importante, il y aura le tour de la Côte d'Or. Un tour de la Côte d'Or, donc c'est début juillet. Donc c'est une grosse manifestation également parrainée par la ville et donc le Vélo Club Châtillonnais. Début août, donc début août, une très grosse manifestation également. Ça va être la semaine fédérale des cyclotouristes. Donc c'est plus les plus âgés, mais pas forcément. Il y aura un regroupement de plusieurs milliers de cyclistes qui seront sur la Côte d'Or, sur Dijon, et sûrement plusieurs centaines qui viendront à Châtillon pour se ravitailler. Il y aura un circuit donc début août, et donc ils viendront casser la croûte à Châtillon en passant. Donc là, c'est le club local, le club des cyclotouristes de Châtillon qui mettra l'œuvre. Il y aura également donc le 11 septembre. Le 11 septembre, là, c'est l'Office municipal des sports qui va organiser donc cette journée du sport, comme on l'a fait dernièrement au mois de septembre. On a eu la chance de voir beaucoup de monde, une grosse participation des clubs et des clubs qui ont été très actifs. On a eu beaucoup en plus. Alors Daniel est déjà dessus, là, donc mon voisin, là, pour que cette manifestation du 11 septembre 2016 soit quelque chose qui se marque dans les esprits, puisque ce sera la 15e, hein, la 15e donc, fête du sport qui sera à Châtillon. Donc, il y aura également bien d'autres, je peux les citer tous, il y aura bien sûr au niveau de la gymnastique, hein, des regroupements régionaux comme ils en font tous les ans, hein, d'ailleurs des spectacles magnifiques. Il y a la pétanque qui fera un concours régional également, j'en ai peut-être oublié, mais donc on aura donc un programme encore très chargé et la presse locale et régionale, de toute façon, vous tiendra régulièrement au courant. D'ailleurs, presse que je remercie, et même si je le remercie moi à la fin, je tiens à remercier également la ville et donc les services techniques qui nous ont aidés à mettre sur pied cette journée, cette soirée. Et puis alors, donc, pour le côté ludique, on a pensé que ça pouvait être intéressant, au lieu de faire venir des groupes extérieurs, qui étaient bien appréciés de nous, mais de s'appuyer sur des talents locaux. Hein, donc vous avez déjà pu voir donc, le niveau de nos musiciens, la lyre châtillonnaise. Hein, donc on avait été un peu épaté quand on avait assisté à l'inauguration de leur salle, de la nouvelle salle. On avait trouvé que le son, la musique était parfaite. Et donc, ils ont fait l'honneur de répondre à notre invitation. Et donc, vous avez déjà eu un échantillon. Et donc, on peut les remercier. Donc, ils vont agrémenter la soirée. Donc, je pense que vous serez tous satisfaits. On remerciera également le club du Box Pied-Point. Hein, donc, vous verrez les jeunes et les moins jeunes faire des démonstrations. On peut couper. Donc, vous pourrez être moins lassant au niveau de la mise de médailles. Donc, Box Pied-Point, donc, faire des démonstrations. Et donc je remercie son président, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Et Grégory, bah, il est en train de s'occuper de l'organisation de ces sportifs. Voilà, donc, oui, je suis à la fin, mais donc il y a de nombreux bénévoles donc, au niveau de la poursuite. Il y a Mathieu également, là, qui est toujours là, qui est présent. Et bien donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, comme l'a dit Yves, ben donc, je pense que M. le maire nous rejoindra en cours de réunion et vous dira un petit mot, puisque bon, ben, c'est encore la période des vœux, je crois qu'il est pas mal pris actuellement. Voilà, bonne soirée. Merci Roger. Alors je fais appel à mon acolyte présentateur.
constater, je me croyais seul ce soir, et finalement, je crois qu'il y a du monde au départ du critérium de l'OMS. Oui, vous allez assister à un spectacle qu'on ne vous a encore jamais livré. C'est celui de cette course qu'on voit plus tellement dans les campagnes, qui va se dérouler devant vous en 22 tours. Pourquoi 22 tours? Parce que 22 clubs vont s'affronter fraternellement. Et pour réussir à vos critériums, il faut évidemment un parcours varié avec des descentes, des montées, des faux plats, des coups de cul, tout ce que vous voulez. Il faut aussi de la musique et ce soir nous en avons une de très haute qualité. Ce sont nos amis de la Lyre Châtelaise. Il faut aussi qu'il y ait des champions. Vous verrez, il y en a plus de 160. Bien sûr, ces champions sont accompagnés de médailles, de coupes, c'est normal, c'est le moment de sortir les récompenses. Et puis, il y a votre serviteur qui va tout au long de cette soirée essayer, à travers le jargon cycliste, de vous présenter tous ces clubs qui font honneur à notre ville. Alors, sans plus tarder, je vais poser mon clou, ma bécane, mon spade, mon tank, mesdames et messieurs, un vélo 1935 avec, oui, des railleurs sous la selle, jantes en bois, boyaux collés bien sûr, et comme vous pouvez le constater à l'arrière, déjà du progrès technique, d'un côté la roue fixe, de l'autre côté le dérailleur. C'est une pièce de musée exceptionnelle qui m'a été prêtée par un pratiquant du cyclisme, un ancien membre, vous l'avez constaté ici sur le maillot du Vélo Club Châtillonnais. Et d'ores et déjà, je l'embrasse avec, bien sûr, son épouse, parce que son épouse a su retrouver les maillots de l'époque, et lui, il a su retaper ce magnifique spad que je vous présente ce soir. Alors, attention, mesdames et messieurs, la soirée va débuter. La soirée va débuter, bien sûr, par le 22e tour. J'en ai dans la musette. J'en ai plus d'un tour dans ma musette. Alors, au cours de ce 22e tour, vous savez comme ça se passe dans les courses cyclistes, il y a toujours l'engouement de la ligne d'arrivée où on pousse un peu plus. Alors, lors de ce premier tour, ils ont mis le nez à la fenêtre pour passer en tête, hein, ça fait toujours bien le premier tour. En plus, chers téléspectateurs, on saura tout à l'heure vous taper au porte-monnaie pour qu'à chaque tour, vous mettez une petite pièce dans le bourrin afin de récompenser tous ces sportifs. Ils font du jus, ils ont la forme. Voici pour la Châtillonnaise Handball, nos champions récompensés. Alors, j'appelle Didier Guinaud ou Jean Billot, son représentant ici ce soir. 145 licenciés. J'appelle Philippe Rousseau, Didier Guinaud est présent, pas de problème, il nous arrive. Donc j'appelle aussi Philippe Rousseau, entraîneur de l'équipe féminine, il a su redonner une équipe senior féminine à la Châtillonnaise Handball. Roderick Clay, alors Roderick c'est le technicien, c'est le cadre technique du club, c'est de l'école du Hand, l'entraîneur de l'équipe senior en régionale. On les applaudit bien fort et on leur remet le challenge. Alors, pour vous situer, Roderick va nous quitter parce qu'il a à coacher son équipe pour un match de régional demain à Chalon-sur-Saône. Donc, il va nous quitter bien vite. Il faut savoir qu'il entraîne, mais il joue souvent. On essaie de se détacher. Ils sont un bloc pour décanter la course. Bravo les francs-tireurs du club de tir châtillonnais, bien sûr. Alors, Florentin Urruti à leur tête, 129 licenciés.
Il se présente sur le podium de droite, puisque ce soir on va alterner sur les deux podiums, donc Florentin, podium de droite, et j'appelle Alexis, Alix Rémy, Kenzo Sabienne, Lucas Laforge, et l'entraîneur de ces jeunes, Éric Lenoir, qui recevra, lui, le challenge. On les applaudit bien fort. Présenté, vous suivez notre cycliste, notre présentateur cycliste, qui vous indique le podium. On applaudit encore le club de tir, Florentin qui fait un excellent travail. Maltrap, bien sûr, à la cible. Groupé. Ah, ça pédale dans lui. Les vieux routiers sont là pour assurer le train. Oui, le train de l'écrac athlétisme. Alors, Épige Grigand qui va accompagner sur le podium parmi ces 65 licenciés des jeunes qui ont eu de très bons résultats, Nicolas Fauchuon, Augustin Dutu, Léa Caetet, Mathilde Aurousseau, Nicolas Bourgeois, Mathilde Aurousseau, Clara Perrin, Léa Caetet de nouveau, Augustin Dutu de nouveau pour différentes victoires, Joachim Jurado, Nicolas Fauchuon, Augustin Dutu de nouveau, Océane Chappé, Sébastien Gabriot, et pour l'encadrement vont recevoir des challenges. Estelle Girard, Candice Guégan, Arnaud Perrin. Donc tous ces jeunes, que ce soit en cross-country, en indoor, dans les différentes compétitions à Semur, ont fait ou des victoires ou des podiums. Donc bravo à eux. Une marque particulière, c'est la qualification au championnat de France. Pour les médaillés non présents, vous remettez les médailles à la présidente. Alors, le 19e tour. Alors déjà, ça commence à bouger hein, sur le circuit. Et là, on voit déjà des clubs qui savent rouler en paquet. Parce qu'on assure un tempo, on évite de faire l'élastique et c'est exactement ce que fait le Badminton Club Châtillonnais. Alors, à sa tête, Sylvain Chalet, 74 licenciés. Il a souhaité médailler de jeunes joueurs qui rassemblent progrès et assiduité. Je cite Clara Mathias, Matteo Labone, Alexis Serrano, Ilan Noirot, Yanis Noirot, Louise Minot, Antoine Minot, Ilias Lalay, Esteban Vogel, Ewen Antonieul, Axel Brigand, Emma Sordoyer, Lison Caetet et leurs encadrants Jean-Luc Mathias, Sébastien Vogel et David Antonieul qui recevront les challenges. On les applaudit bien fort.
musicienne, sportive, bravo. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ce soir, on assiste au mariage du sport et de la culture, c'est très bien. Dangereux, vous savez, on ne maîtrise plus à notre âge. Alors attention, attention mesdames et messieurs, là, deux se sont légèrement détachés, deux coureurs se sont légèrement détachés, et oui, on le savait, ils en avaient sous la semelle, comme on dit, et après une belle partie de manivelle, ils ont pris pour wagon, et voilà parti. Alors on va vous les présenter tout de suite, ce sont deux membres de la Châtillonnaise Basketball. Alors, Muriel Lannier-Rousseau, un club fort de 94 licenciés. Alors, ces deux jeunes qui sont sélectionnés en équipe de Côte d'Or U12 sont Valentin Verstrep et Yanis Wisman Galera. Et là, je dois vous dire, le gros du peloton est en train de monter la côte de la route de Montbard. Il ne se passe pas grand-chose. Alors nous, on a prévu, il faut toujours un peu d'animation. Vous savez, c'est comme l'attente à l'arrivée du Tour de France. Et bien nous, dans notre critérium de l'OMS, c'est pareil. Alors j'appelle les boxeurs de boxe pied-point, bien sûr, pour nous faire une petite démonstration sur les podiums prévus à cet effet. Et puis ils auront un super accompagnement musical avec Jean-Pierre et tous les membres de la Lyre châtillonnaise. Boxe pied-point, c'est à vous. Ce soir, c'est le club de boxe Full Contact qui est en démonstration. Je suis certain que ce sport est pour moi. Je vais aller m'inscrire. Moi aussi. Tu vois, j'ai déjà les gants.
Thank you.